Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2 où il sera question de récupération de paramètres. Donc notre objectif c'est de pouvoir récupérer un paramètre qui serait passé à la suite de cette URL, l'URL localhost slash about slash et un paramètre. Tout simplement bon, parce que notre page about c'est notre sandbox depuis un petit moment, ça nous dispense de créer d'autres choses annexes. Et donc pour créer, et plutôt pour récupérer des paramètres en Angular 2, notamment depuis l'ARC, nous avons besoin de recourir à deux choses. La première, c'est à cette classe RouteSegment qui nous permet de récupérer des URL segment et surtout de disposer de la méthode getParam qui va nous permettre de récupérer notre paramètre. Et la deuxième chose qu'on va utiliser, c'est cette interface onActivate qui nous oblige à utiliser cette méthode RouterOnActivate qui est appelée au moment où la route de destination a fini, au moment où on a fini de naviguer vers notre route de destination. Donc notre route, ce sera localhost slash about slash 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple. Donc nous allons commencer par ajouter une route à notre décorateur @route. Alors je suis dans src client app, alors app component, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc src client appcomponent.ts, et donc nous allons ajouter une route qui correspondra alors presque trait pour trait à la route du dessous, donc avec comme chemin slash about slash, alors là c'est important, 2.id. donc 2.id ça indique que id c'est un paramètre, du coup il peut prendre la variable qu'on veut, donc ce sera pas littéralement id, ce sera l'id qui aurait été passé à la suite de slash about. Et le component, c'est pour ça que je joue beaucoup en ce moment avec ma page about, c'est que ce sera le même component que celui qui existe déjà, donc ça nous permet de nous concentrer sur notre problème actuel, la récupération de paramètres. Donc voilà, on a une route, ça c'est la première étape, on a une route qui comporte un paramètre, donc on est capable maintenant de gérer cette route. Le deuxième élément, forcément, c'est d'aller dans le component about component, et là, d'importer ce dont on a besoin, à savoir notre interface, comment est-ce qu'elle s'appelait au fait, onActivate. Et on a besoin également de notre classe RouteSegment. RouteSegment. Donc, vous avez vu que rien ne nous empêche d'implémenter plusieurs interfaces. On implémente onInit. Et bien on peut rajouter une virgule pour dire qu'on implémente également onActivate. Et onActivate, là, maintenant, ça provoque cette erreur. Puisque implémenter onActivate, ça nous oblige, c'est le contrat, d'implémenter router onActivate. Et cette méthode, si on regarde dans la doc, elle est appelée quand le router a terminé de naviguer avec succès vers sa destination. Donc pour nous la destination ce sera localhost slash about slash quelque chose. Donc le quelque chose est un autre paramètre. Alors on va déjà commencer par afficher notre route segment, parce que maintenant la logique qu'il y a dans Angular 2 depuis l'ARC, c'est que l'URL est considérée comme une suite de fragments, de segments, et donc on va voir déjà quels sont les segments qui sont visibles. Donc ce sera un tableau. Alors oui, ça me fait penser que je n'ai pas injecté dans le constructeur ma classe, hein. Si je l'importe et que je l'injecte pas, je pourrais pas m'en servir. Donc on va déclarer route segment qui sera de type route segment, donc le type qui a été importé à l'instant. Et donc oui, c'est pour ça que je ne vois pas, j'ai oublié de mettre mon accesseur. Save all. Et là vous avez vu
qu'est-ce que comporte notre route segment? Eh bien, il comporte une propriété URL segment, ce qui était un tableau qui comporte un seul élément qui se trouvait être about. Et maintenant, si à la suite d'about, j'ajoute un paramètre, cette fois-ci, je vais avoir dans mon tableau URL segment un tableau qui comportera deux éléments. Le premier, c'est about, et le deuxième, c'est mon paramètre. Donc, on est sur la bonne voie. Ce qu'on va faire, on va se créer un paramètre. Bah, j'avais déjà créé hors caméra. ID de type string. Et c'est dans ce paramètre qu'on va récupérer. Avec un H, ça marchera mieux. Voilà. Qu'on va donc récupérer. J'aurais pas dû tout effacer. À l'aide de la méthode getParam, le paramètre qu'on avait appelé ID. Vous vous souvenez, on avait appelé ID ici, dans le pass. Et maintenant, dans le template, il est possible qu'il soit encore dans le template. Le template, il se trouve dans aboutComponent.html, aboutComponent.html. Non, je l'avais supprimé. On va créer un div avec un petit h2 qui dira votre ID. Et puis dessous, on va mettre l'ID. Voilà, votre ID 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, si on résume, pour pouvoir déjà avoir une route à laquelle on pouvait ajouter des paramètres, nous sommes allés dans AppComponent, puisque c'était notre composant qui porte ce décorateur AddRoutes, qui permet d'avoir un paramètre, un tableau d'objets, chaque objet étant une route, donc il a fallu ajouter la route about slash colon ID slash 2.id. Alors souvenez-vous, pensez bien aux deux points, mais bon, c'est habituel, hein, ça on le fait dans pas mal de frameworks JavaScript, notamment dans Node.js. Préfixé par deux points, ça veut dire que ce qui suit n'est pas un texte littéral, mais un paramètre. À partir de là, pour pouvoir récupérer ce paramètre, on a importé onActivateRouteSegment. On a implémenté onActivate qui nous oblige à avoir la méthode routeur onActivate qui est appelée une fois qu'on a navigué avec succès vers notre route étant slash localhost slash about slash un certain paramètre. Et grâce à RouteSegment qu'on a injecté dans le constructeur, eh ben on a pu récupérer le paramètre à l'aide de la méthode getParam pour ensuite, bon là, simplement récupérer dans une variable, ce qui nous a permis de l'afficher dans notre vue. Alors un petit truc, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est un bug provisoire ou si ça va rester comme ça, parce que j'ai eu des petits problèmes, c'est que si je mets cette route qui comporte le paramètre, ben si je la mets après la route about, j'ai un message d'erreur. Qui me dit que la route en question n'existe pas. Je vais vous montrer. Component about component does not have a route configuration. Alors que pourtant, bon, cette route est bien présente. Et si je remets la route qui comporte le paramètre avant la même route sans paramètre, et ben là, tout marche. Sachez pour l'instant que si ça vous arrive, pensez bien à mettre votre route qui comporte des paramètres avant la route qui n'en comporte pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.